Une antenne relais. Voilà, on a eu un abonnement particulier à une antenne relais. On a réussi. Normalement, là, Olivier, on devrait plus être coupé. On est vraiment désolé. Ouais, Il y a c'est eu bien. quelques coupures. Ça nous a pris un peu de temps de réinstaller le système de réseau. Mais là, on devrait être tranquille pendant un petit moment. On est parti. Je reprends depuis le début en deux mots. On est parti de l'Agde, là-haut. On avait un point de vue sur tout le village et sur toute la marine, sur Calvi et sur Île-Rousse. Et là, on est descendu là. L'idée, c'était de nous présenter en fait Auch dans son environnement. Dans un environnement historique, hein, notamment avec en effet eh bien, une implantation très ancienne hein, sur cet espace de Balagne, littoral notamment, avec six sites néolithiques donc, dans les environs. Donc la démonstration de communautés anciennement établies. Et puis juste en contrebas du village de Hautes, c'est un peu les ancêtres certainement des habitants, eh bien, c'est la petite communauté de Spano, antique, hein, donc, qui va se développer pendant l'Antiquité gréco-romaine sur un îlot. Initialement. Et puis derrière, si l'eau d'aujourd'hui est détachée, hein, mais c'est un avant, ça manque du temps. Si on a des trappes de logement, des trappes, etc. Puis derrière, on a la route aussi du pont de sang un peu, donc on vient donc vivre de façon prospère. Oui, sauf à l'époque antique, tout l'est de la Corse est beaucoup plus organisé avec Alère et Amara, etc. Et ici, néanmoins, bien, ils ont des voisins, ils peuvent commercer. Les anciennes populations du côté de Calvi, d'Île-Rousse, les termes du côté de Spelonca, tout le démontre. Mais bientôt, en effet, à la chute de l'Empire romain, eh bien, on va connaître des complications. Alors, ces complications vont arriver avec les invasions vandales. Elles vont arriver par la mer, hein. Voilà, toujours. Hein. Les Vandales, hein, ce sont des populations donc, qui viennent, Germanique. qui sont germaniques, qui sont scandinaves, et qui amènent avec elles, en plus, je dirais, des razzias et de l'esclavage, eh bien, la malaria en Corse, hein, qui va se développer parce que justement les zones littorales ne sont plus entretenues, ne sont plus trop occupées, de moins en moins en tout cas. Et le moustique, justement, une espèce de moustique va faire des ravages et on va connaître le paludisme en Corse, hein, comme dans d'autres régions de Méditerranée qui fera beaucoup de victimes. Et à noter qu'il y a un grand plan anti-moustique tigré qui a été lancé aujourd'hui. On en a parlé dans les médias. À l'époque, ils n'avaient pas ces moyens pour lutter. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Plus il y avait de problématiques en bord de mer, et plus ils remontaient en fait. Les gens remontent d'autant plus que on va connaître aussi les Maures bientôt. Hein. Les Maures, ce sont les musulmans qui après 610 donc vont se répandre dans le monde entier, vont passer par l'Afrique, traverser le détroit de Gibraltar, prendre la péninsule ibérique, et puis par les Baléares notamment, faire des razzias sur la Corse et peut-être envisager l'envahissement de celle-ci. Et la suite, c'est Rome. Donc les populations vont être vraiment malmenées pendant toutes ces périodes-là. Et puis on commence à voir évidemment l'établissement de villages féodaux. Et donc, ça tombe bien, hein? Pourquoi? Parce que pour se protéger de l'envahisseur, il fallait surveiller. Et là, on est pile sur le chemin de ronde, en fait. Voilà, Auch, c'est un village qui va se développer probablement à cette période-là. Hein. Il y a des villages plus anciens en Balagne, Sant'Antonino, Corbara, Pigna, Spelonca, de Montemaggiore. Mais Pigna s'inscrit dans cette démarche-là de village fortifié sur les hauteurs. Alors, ce qui fait la fortification de Auch, pardon, ce n'est pas tant le fait d'un château, d'une maison forte ou d'un donjon, c'est surtout son implantation. Hein. Alors D'ailleurs, quand quelqu'un arrive ici, on le voit arriver de loin. le nom du village l'indique. Hein. Auch, Coach. donc ça vient de Koulous, hein. C'est l'œil, L'œil. c'est la sentinelle, donc, hein, qui est un observatoire exceptionnel. Il faut imaginer qu'on s'étend jusqu'au Cap Corse et au sud de Calvi, on a quasiment toute la Haute-Corse sous les yeux ici. Hein. Alors ce village, il est flanqué d'un chemin de ronde, c'est celui que nous sommes en train d'emprunter là. Hein. Alors avec beaucoup de bâtiments aujourd'hui évidemment ruinés, hein. Le village a été abandonné progressivement au cours du 19e siècle. Et puis. Justement, c'est les questions qu'on me pose sur la page Facebook. Coucou Sylvie, coucou Françoise, coucou Lucie. Depuis quand ce village est abandonné? Alors, il est abandonné depuis, on va dire, progressivement. Donc, il y a un déclin qui s'opère tout au long du 19e siècle avec une volonté même de dissoudre la commune au profit de la commune voisine.
qui s'appelle l'Umio. Il faut penser que le 19e siècle, c'est une époque où il y a un développement de l'agriculture, notamment en Corse. Alors, l'olivier, bien sûr, mais aussi le cédrat, par exemple. Hein. Et l'exportation est importante. Il va y avoir des plans politiques qui vont permettre cela. Et c'est une véritable manne. En plus, l'industrialisation va en rajouter. Et le territoire foncier de Hodge, c'est un territoire intéressant qui compte 850 hectares. Celui de l'Umio, communauté voisine, c'est 1250 hectares. Donc, elles sont presque équivalentes. Alors que la population de Hodge, eh bien, c'est entre 50 et 70 habitants et qui vont progressivement s'amoindrir au cours du 19e siècle avec la volonté justement des communes voisines et l'Umio en particulier, eh bien, de dissoudre cette communauté pour récupérer le patrimoine foncier. Alors souvent on entend des histoires, hein, comme souvent des légendes autour de l'abandon de Hodge. On raconte qu'il n'y avait plus d'eau alors qu'il y a deux sources dont une est toujours parfaitement alimentée. Mais la raison est plutôt politique, on l'a compris, et économique hein, finalement, parce que c'est non seulement... récupérer le patrimoine pour exactement essayer de s'installer plus à l'Umio. Ce qui explique aussi, alors, on est passé là devant certaines ruines, on voit qu'il y a des écriteaux, lot numéro tant, propriété privée, ce qui explique que la grande majorité des propriétaires encore actifs des ruines de Hodge soient en fait des habitants de l'Umio. Pardon ? Reste avec nous. Oui, pardon. Attention, il y a des pierres. Oui, merci Laurence. Vous pouvez passer, je vous en prie. Hein. C'est pas parce que nous, on le fait en direct que vous n'avez pas le droit de passer. Allez-y, allez-y, vous en prie. Au contraire. Au contraire. Et puis, si vous arrivez à prendre quelques informations, le monsieur, il vous sert de guide gratuitement. Ça démontre qu'il y a de la vie à Hodge, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le découvrir, ce village. Je disais, en fait, les propriétaires, il y a encore des propriétaires. Oui, il y a des propriétaires, bien sûr. Hein. Entre 10 et 15. Les gens imaginent parfois que, sous prétexte d'abandon, il n'y a plus de propriétaires, mais bien sûr qu'il y a des propriétaires à Hodge. Et donc, ils se trouvent à Lume, ils se trouvent des fois dans les communes environnantes. Ils sont identifiés, ils sont organisés d'ailleurs en association aujourd'hui et ils ambitionnent des projets qui sont parfois différents. Il y a des questions qui se posent autour d'un site aussi remarquable, hein, parce que non seulement il est beau au niveau patrimonial et intéressant, mais en plus il a un intérêt aussi environnemental. Hein. C'est pas un site urbanisé, alors que nous sommes juste au-dessus de Saint-Ambroge, où qu'il est bien davantage. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc du coup, c'est un site en effet à préserver certainement de tout point de vue. Donc on peut se poser la question de l'avenir de Hodge. Est-ce qu'il faut restaurer, maintenir en tout cas en l'état ce village, donc restaurer des ruines simplement pour pouvoir les présenter eh ben, à des gens comme nous. Hein, qui excuse-moi, hein, je continue. Est-ce que des gens disent il y a certaines voûtes qui semblent instables, est-ce dangereux? Ah ben oui, ça peut être dangereux quand on visite le village d'Hodge. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs on le voit juste derrière. Hein, il y a des aménagements qui ont été faits, il y a des portes qui ont été posées, des grilles pour éviter justement que les gens pénètrent les habitats ruinés et ils ne se prennent une pierre sur la tête. Et puis il y a eu aussi des aménagements qui ont été faits dans les années 2000 tout autour avec un mur d'enceinte qui empêche le passage notamment des bêtes en divagation hein, qui venaient se réfugier lorsqu'il faisait trop chaud, lorsqu'il pleuvait dans les ruines et évidemment causer des dégâts. Excuse-moi, hein, moi oui. je suis un peu le néophyte de la balade. Là on voit les maisons de ce côté, on voit l'église là-bas. Là, cette zone, ça correspondait, c'était quoi en fait? Ce sont des zones d'enclos en fait. Hein. Il faut penser qu'il y avait des bêtes à Hodge. On avait des chèvres, des brebis, des vaches également un petit peu plus tard. L'essentiel pour autant, c'était de la production d'huile. Hein, il y a un moulin à Ouvragne ou un petit peu plus loin avec un système à 100. Alors à 100, c'est pas barbare pour autant. Hein, c'est un âne hein, souvent qui faisait tourner la roue simplement. Et il y avait aussi des apiculteurs dans la région. On pouvait exploiter le bois des chênes. On faisait du miel, de la cire. On ramassait les amandes qu'on faisait sécher sur les toits terrasses. Parce qu'il faut imaginer que si aujourd'hui dans la plupart des villages de Balagne, les toitures sont en tuile canal, en terre cuite, hein, sous charpente, à l'origine et à Hodge notamment, la plupart des toits, dans une tradition finalement moyenâgeuse, plutôt sarrasine du coup, eh bien, étaient flanqués de toits en terre, hein, comme on le voit dans les paillades. Oui, puisque ça servait aussi justement à faire sécher. Exactement, c'était les séchoirs pour les amandes par exemple. Hein. Et ces toitures, donc, elles vont être maintenues jusqu'à peu près au XVIIe siècle. Et puis progressivement, dans la région, elles vont être remplacées sur le modèle un petit peu des palais qu'on voit dans les citadelles. Les gens vont s'adapter à ce courant-là avec des toits pentus.
Mais je vais les conserver quand même assez longtemps, puisque c'est jusqu'au 19e siècle, en gros, hein, qu'on va retrouver ce type de toiture dans la région. On parle de maintenir en état, on parle de restauration, ben, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, parce que là, on a une église qui est assez singulière, hein, l'Annunciada, donc c'est une... Je ne pense pas qu'elle soit ouverte. J'ai tenté ma chance, elle est fermée. Mais c'est une église qui est ouverte en tout cas à l'occasion, parce qu'il y a des messes, on avait même vu des baptêmes qui ont été célébrés ici. Donc ça c'est un moment très fort, hein. Moi j'ai eu l'occasion d'assister à quelques messes ici. Quand on entend la cloche sonner, on a l'impression que le village renaît. Revit, c'est spécial. Oui, c'est extraordinaire. Et cette église était complètement ruinée, elle a été restaurée en 2002, donc par une association du village, aidée par différents particuliers. On cite souvent l'Etsiakast, et il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu même des gens qui ne sont pas originaires de la Balagne, hein, qui ont participé au financement. Et les travaux donc, ont été entrepris avec beaucoup de peine, puisqu'il faut imaginer que les matériaux ont dû être ramenés par le col au-dessus, hein, donc par la plaine de Lavadorio, soit avec des hommes, soit avec des animaux. Et ça a été assez difficile. C'est une quantité de matériaux assez impressionnante, parce qu'en fait, on la voit aujourd'hui à ce niveau, il restait quoi? Il ne restait pas grand-chose. Hein. Alors oui, elle avait été éventrée complètement, donc il y avait des voûtes qui étaient effondrées, donc c'était vraiment un travail conséquent. Alors notre ami Stéphane Orsini pourrait nous en raconter davantage sur cette église. On pense à notre ami Stéphane Orsini qu'on retrouvera bientôt, je crois que c'est le 11 juillet qu'on sera avec lui à Fauté, si je ne m'abuse. Mais c'est vrai qu'on voit une église, on est obligé de penser à la Fagec et à Stéphane Orsini. D'autant plus que c'est une église qui est ancienne. Alors c'est une église probablement paléochrétienne. Donc on le voit, elle a une architecture, je dirais, assez sommaire, assez sobre. Il y a des pierres de remploi qui sont des pierres d'église romane, donc qui probablement du coup nous donnent une datation d'un remaniement de l'édifice autour du 12e, 13e siècle, par là. Oui. À cette époque, on a d'ailleurs une église romane qui va être construite en bas à Lugno, oui, donc San Pedro, San Paolo. Et cette église, néanmoins, donc, elle apparaît dans les registres un petit peu plus tard, mais on pense en effet qu'il y avait déjà, au milieu de pâturages, tout simplement, d'une toute petite communauté au Moyen-Âge, donc cet édifice. Oui, sur lequel, comme d'habitude, l'église paléochrétienne est venue se remettre, puis l'église, à chaque fois, c'est comme aime bien nous le rappeler Stéphane, c'est jamais par hasard qu'on met une église, c'est qu'en dessous, il y avait sûrement quelque chose déjà à l'origine, et que ça fait une sorte de millefeuille. Il y a des fouilles qui ont été envisagées dans la région, on parle... Alors, tu parlais de Marianne, tu parlais d'Aléry, voilà, il y en a tout autour, mais... hein, du village de Haute, sur Haute, j'ai pas ma connaissance. D'ailleurs, lorsque l'église a été restaurée, il aurait été intéressant peut-être préalablement de faire quelques fouilles pour pouvoir vérifier la datation de celle-ci. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des gens qui viennent chercher des choses sans être pour autant licenciés, je dirais, pour le faire. Et tout ceci autour de légendes encore, hein, dans le village de Hodji, comme à Lugno à côté, ou alors sur un site anciennement occupé par les musulmans au Moyen-Âge qui s'appelle Cordoué, là, près de Monte Maggiore, on cherche des trésors. Ouais, le fameux trésor de Hodji. Écoutez, arrêtez de venir fouiller pour essayer de trouver un trésor. Oui, ça sert à rien. Le seul trésor que vous pouvez et que vous devez venir ici chercher, ben c'est celui-ci. C'est un lieu magnifique, c'est une vue exceptionnelle, c'est une balade super sympa. Et n'essayez pas de fouiller, de tirer sur des cailloux pour essayer de voir si vous avez trouvé le fameux trésor. C'est pas nécessaire, c'est dangereux, il s'endommage surtout le bâti, parce que l'intérêt, c'est non seulement ce patrimoine, cette vue aussi, mais c'est tous les détails d'architecture que l'on peut retrouver aujourd'hui, hein, sur le village. Ce sont des maisons pour la plupart qui ont été construites progressivement, donc sur un niveau de dépendance, hein, d'atelier, un niveau de cave, un niveau d'étable. Et on a rajouté ensuite un à deux étages selon les moyens, notamment financiers de ces familles. Parce qu'il faut penser qu'il y avait des disparités, hein, comme partout. Hein, donc, comme dans tout village. Dans ce village-là, notamment, on conserve le souvenir d'une famille Giudicelli, hein, qui a été la famille des comtes d'Oci, carrément. Hein. Donc ce sont des notables, en effet, qui sont attachés à la lignée de Lecca, dans le sud de la Corse, enfin du moins dans la région de Porto, et qui Je connais un petit peu. Voilà, qui vont s'établir dans le secteur et qui vont devenir propriétaires de l'essentiel, d'ailleurs, du foncier
et de l'immobilier du village. Alors, regarde, là on a en contrebas donc la marine de Sant'Ambrogio qui s'est développée vraiment autour d'un complexe touristique hein, depuis des années. Et puis de l'autre côté... Voilà, c'est vrai qu'on on remarque hein, une petite différence. Regardez, sur la droite de l'image, ben, la partie touristique avec ce développement, voilà, ce développement, écoutez, il y a un peu de mitage, il y a un peu de concentration. Et puis sur la gauche, il n'y a rien. En fait, c'est le Conservatoire du patrimoine qui s'est porté acquéreur. Voilà, Conservatoire du littoral. Et puis on voit parfaitement, du coup, ça illustre les propos que j'avais tout à l'heure au sujet de l'Antiquité, l'îlot, hein, qui était rattaché à l'époque, puisque la mer était légèrement plus basse. Et puis on voit derrière encore les traces, justement, d'un système agricole avec les murs de clôture, des bergeries, etc. Tout ceci, donc, c'était une petite communauté avec beaucoup de commerce qui se faisait. Certains prétendent de même que Spano viendrait du commerce qui aurait été fait avec l'Espagne, hein, avec la péninsule ibérique. Le nom ibérique. Viendrait de là. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Ça c'est à vérifier. Mais en tout cas, on remarque en effet qu'on a vraiment un patrimoine là-bas bien conservé. C'est une côte très, très belle, très sauvage. Et de l'autre côté, en effet, c'est une concession au tourisme. Il faut penser que la Balagne, c'est aussi un territoire de tourisme. Je suis désolé parce que les gens disent, j'ai pas entendu le début sur l'histoire de Hoche. Oh non! Non, on ne peut pas recommencer, je vous promets. On vous remettra. Vous pourrez, soit sur la page Facebook, soit sur la page YouTube de Viacel, le retrouver l'intégralité. Et encore, là, il ne le sait pas, mais je vais le couper parce que malheureusement, ça va être trop long parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Alors, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire un mot? 3 minutes, vas-y. 3 minutes. Un mot sur Vraveljic. Parce que s'il y a un habitant qui a marqué l'histoire du village, c'est le dernier. Le dernier. Forcément. Hein. C'était un. Tu sais ce qu'on va faire, Laurent? On va quitter lentement Hoche parce qu'on l'a dit. On l'a dit tout à l'heure, on sera durant toute la semaine en Balagne et on sera, pour être tout à fait précis, cet après-midi, on sera à Calvi. Et ça tombe bien puisque Calvi... C'est en contrebas et puis le réseau y est meilleur. Le réseau téléphonique est meilleur. Donc là, en fait, je vais lui laisser 3 minutes. Ensuite, on va se dire au revoir. Nous, on va continuer sur ce chemin. Et d'ici 2-3 heures, on arrivera à Calvi à pied. Donc, on pourra faire une autre balade dans Calvi. Je te laisse donc 3 minutes pour nous parler du dernier. C'était son de famille, c'était un Giudicelli, justement, hein. Issu de la lignée des comtes d'Hoche. Hein. Donc, ces seigneurs propriétaires terriens vont marquer l'histoire du village, et ce dernier habitant en effet va mourir à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il avait un certain âge, il avait connu une vie paraît-il assez remplie, puisque il avait fait des études universitaires en Italie. Il était toujours très distingué, comme souvent les gens hein, dans les villages à cette époque là néanmoins c'était un personnage fantasque, et on raconte qu'il aurait fait de la politique même avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra président en 1848, et qu'il a participé notamment aux Carbonari, les insurrections des Carbonari italiens, et puis en France finalement. Et ceci lui aurait permis d'avoir un petit privilège par la suite impérial, celui d'avoir un sauf-conduit, c'est-à-dire en gros un laissez-passer, une autorisation de trouver le gîte et le couvert dans toutes les institutions impériales, ce qui est plutôt pratique. Il y a pire. Et cet homme donc, qui a eu une vie tout à fait extraordinaire, c'était une sorte de poète fantasque, eh bien, va finir ses jours au village, alors pas tout seul. Il était âgé, il est entouré des soins d'une famille de bergers, les Pinelli notamment, qui vont fermer les yeux. En effet, donc à l'issue de cette Première Guerre mondiale très meurtrière pour la Corse, la famille Pinelli rejoint le village de Lungo. Regardez. On lui dit 3 minutes. Je ne sais pas si vous entendez très bien parce que, en effet, on est sur un pic avec. On va juste étendre un peu les bras. L'aéroport, ça tombe bien, il est juste là. Et on va continuer. Regardez un superbe voilier, 1, 2, 3, 4, 5 mâts dans la baie de Calvi. Et derrière, la citadelle de Calvi, la ville haute. Ça tombe bien, on sera là-bas d'ici quelques instants. Le temps, on part en courant. On part en courant, promis. Et on se retrouve. On va se donner un peu chaud. On transpire, on va mouiller un peu le t-shirt. On se retrouve là-bas. On a encore une fois, j'ai commencé en le disant, mais je finis aussi. Une pensée pour nos amis qui passent le bac. J'espère que c'est bien passé pour les séries L et ES, pour l'épreuve anticipée de sciences. On se retrouve cet après-midi à Calvi, dans la ville haute. On commencera, juste pour nous appâter, on commencera avec quoi à Calvi? On commencera avec quoi à Calvi? Tu as 10 secondes. Oh là là, c'est compliqué.